Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Union Soupone. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Si vous n'êtes pas abonné, allez abonnez-vous, likez, commentez, partagez et soyez prêts parce que nous allons découvrir encore de nouvelles histoires hors du commun. La facilité met parfois certaines personnes dans des problèmes. Écoutez. Il a failli donner sa mère au diable pour de l'argent. Mais quelque chose s'est passé. Que s'est-il passé? Sa sœur a décidé de tout nous raconter ici. Écoutons son témoignage. Une histoire qui a été vécue par mon frère. Hier, j'ai suivi l'épisode 222. Alors, il y avait une histoire 2 et 3 sur le montage. Et donc, ça m'a permis de me rappeler de ce qu'a vécu aussi mon frère. Je suis ivoirienne. Les faits se passent en Côte d'Ivoire. J'ai mon frère jumeau qui aime tout ce qui est facile. Voilà, c'est un homme. C'est un jeune homme qui a pas vraiment la vie facile. Voilà que lorsqu'il entame son second cycle, il fait la rencontre des amis pas catholiques. Lorsque l'amitié a commencé, il a commencé à se doper et puis, comment dirais-je, fumer et boire. Lorsque la famille apprend la nouvelle, nous étions fâchés. Fâchés dans la mesure où chacun de nous a eu, comment dirais-je, sa réaction. Non seulement il faisait tout ça, mais en plus de cela, il était expulsé de son école. Et donc c'est comme ça, notre frère aîné a dit, ah, d'accord, puisque je fais tout ça pour toi, tu n'es même pas capable d'apprécier mes efforts, il faut que tu apprennes la vie. Ma punition cette année-là, je ne vais pas te scolariser, tu vas t'asseoir, le temps que tu puisses réfléchir. On a cru que c'était une bonne solution. Et donc, le temps passe, il ne change pas. Au contraire, il sombrait toujours dans tout ce qui est, dans tout ce que je viens de citer. Et donc, c'est comme ça, un jour, étant sur Facebook, j'ai vu un ami avec lequel on avait fait l'école primaire. Le jeune avait carrément changé. Il était devenu joli, beau et très propre. Et donc, mon frère me dit, tiens, tu as vu tel, il a changé. Et lui, il a changé. Sûrement qu'il a trouvé du travail. Mon frère dit, ah, je vais lui demander. Il faut que je sache comment dirais-je, le secret de sa réussite. Et donc c'est comme ça, il rentre en contact avec le jeune, puisque le jeune lui était ami au primaire. Avec beaucoup d'hésitation, ce dernier finit par lui donner son secret. Ce dernier lui dit qu'il est désormais dans le broutage, et que voilà, ça va très bien chez lui. Il lui donne le nom de son féticheur ainsi que sa ville. C'est comme ça, un jour, mon frère dit à ma mère qu'il part à l'aventure. Il faut dire qu'il avait l'habitude de faire ça, donc disons, elle n'a même pas pris ça au sérieux. C'est ainsi qu'il part dans la ville de Soubré. C'est une ville qui est en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il arrive dans la ville de Soubré, il se rend dans le village du féticheur en question. Il devait traverser un fleuve. Il m'a dit que pendant qu'il était en train de traverser le fleuve dans une pirogue, la pirogue s'est renversée. Et donc, il a dû nager en traversant cette eau même qu'il ne connaissait pas. Après avoir fini de traverser l'eau, il a dû marcher, marcher, marcher pendant un bon moment dans la forêt jusqu'à ce qu'il aperçoit, comment dirais-je, l'habitant du féticheur en question. C'est comme ça qu'il arrive dans le grimoire du féticheur. Il lui dit, il se présente, il vient de la part de tel tel, qu'il est là pour un travail, il veut devenir riche. C'est comme ça, le féticheur lui fait des propositions. La première proposition était le vélo magique. Mon frère a refusé parce que le vélo magique, pour lui, c'était quelque chose de trop stressant. L'argent apparaît tant, comment dirais-je, à partir de telle heure, tu ne dois plus avoir l'argent. Et donc, il a dit non. Il est venu pour avoir quelque chose de tangible où il pourra même peut-être investir. Et donc, c'est comme ça, le féticheur lui dit, il y a une deuxième alternative. Voici le canari qui est là, que mon frère s'approche. Et qu'il poignarde la première personne qui va apparaître à l'image.
Mais avant qu'il ne passe, ce dernier, comment dirais-je, insiste à lui demander, est-ce que tu es prêt à supporter? Est-ce que tu pourras le faire? Mon frère était tellement engagé ce jour-là qu'il a dit oui, qu'il était prêt à tout, qu'il a été trop frustré dans la famille. Il fallait que nous, on s'en morde les doigts. Et donc, le féticheur lui dit, ok, si tu es dévoué, tiens le couteau. Lorsqu'il prend le couteau, il s'approche. Dès que l'image, comment dirais-je, est apparue, c'était l'image de notre maman. C'était l'image de notre maman. Et ça l'a freiné, il s'est arrêté. Le féticheur lui a dit, vas-y, pique, poignarde-la. Il a dit, non, je ne peux pas le faire. C'est ma mère. Je ne peux pas le faire parce que cette femme est ma mère. Je ne peux pas poignarder ma maman. Que je l'aime trop. C'est pour elle que je suis venue faire ce travail. Je ne peux pas la tuer. Que non, ma maman me soutient trop. Malgré tout ce que j'ai endu, elle ne m'a pas rejeté. Je ne peux pas lui ôter la vie. Et c'est comme ça que le féticheur lui a dit, ok. Je ne sais pas si je vais dire heureusement ou bien malheureusement pour lui ce jour-là, il était tombé sur un féticheur je dirais qu'il était plutôt gentil. Gentil. Et donc c'est comme ça, le féticheur lui fait une troisième proposition. Et cette proposition était de lui donner sa fertilité. Il a encore refusé parce qu'il a dit qu'il était appelé à devenir papa. À quoi allait lui servir toute cette richesse s'il n'avait même pas, comment dirais-je, quelqu'un à côté qui allait dire papa? Et donc c'est comme ça qu'il refuse les trois propositions du féticheur. Lorsqu'il retourne dans le cocon familial, il passe aux aveux. Il a dit, voilà, je suis allé voir tel tel, je voulais devenir brouteur, mais voilà le sacrifice qu'on m'a demandé. Et donc j'ai refusé. Dès qu'il a fini de dire ça, ma maman dit, hey, tu es parti là-bas. Ma vie et celle de mes enfants sont dans tes mains. Si parmi mes enfants, un part se coucher et me se réveille, je vais t'enfermer. Et moi, de mon côté, je lui ai demandé, mais à supposer que ce n'était pas l'image de maman, c'était l'image d'une autre personne, est-ce que tu allais le faire? Il n'a pas su me répondre jusqu'à ce jour. Et donc, lui, dans son histoire, non seulement il est tombé sur un féticheur bien, mais en plus de cela, il aimait ma maman. Bon, il aime ma maman parce qu'il vit toujours. Il aime trop ma maman. Et si c'est l'amour de ma maman qu'il a retenu, sinon peut-être, à l'heure où je vous parle, ma maman n'était même plus parmi nous. Et aujourd'hui, il a repris le cours de sa vie. Il est même retourné dans une école professionnelle et tout va bien. Une manière de vous dire que cette histoire, ce phénomène est beaucoup fréquent en Côte d'Ivoire. Les jeunes qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent avoir de l'argent facile, préfèrent adhérer à ce genre de pratique malsaine. Et donc, c'était ma petite histoire. Je voulais. Wow, c'était incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous allons écouter encore notre témoignage quand tu commets une histoire terrible que sa mère lui a racontée. Écoutons. C'est une histoire que ma mère m'a racontée ce midi-là. Vraiment, elle m'a raconté beaucoup d'histoires, mais ça m'a dépassé tellement que j'ai dit, ah, je vais amener ça pour que tout le monde va écouter ça sur TV DMG. Ok, sinon l'histoire, c'est qu'il y a un monsieur. Il y a un monsieur nigérien qui était au Togo ici, à Lomé, qui avait construit une maison habitant là où ils habitent, comme ça, avec sa famille. Il avait trois femmes. Il avait trois femmes. Donc, le monsieur vivait avec sa famille, tout se porte bien, tout ça va bien, il y a l'argent, tout va bien, personne ne doute de rien. Mais sauf que dans la maison, il y avait une chambre de monsieur que personne ne rentre pas dedans. Personne ne s'approche même pas de ce chambre-là. Donc tous les matins, chaque matin, le monsieur se réveille et puis il rentre dans ce chambre-là, il fait ce qu'il a à faire et puis il ressort. Et personne ne sait pas ce qu'il fait. Donc ça restait comme ça plusieurs des années, des années, des années. Moi, c'est une histoire qui s'est passée les années, même je ne sais pas, parce que ce sont les années 1900 comme ça que moi je ne suis même pas encore née. Donc du coup, c'est aujourd'hui ma mère me raconte ça, comme en train de regarder un série nigérien là. C'est là qu'elle me fait savoir l'histoire là, qu'il y avait un monsieur comme ça. Donc, le monsieur en question faisait comme ça tout le temps, mais c'était un vendeur des habits que
Nous, les musulmans, on porte pour prier là, avec les habits sexy, tout là. C'est ça que le monsieur vend. Donc lui-même, il part en Chine, en Dubaï, de n'importe quel pays pour payer les affaires pour amener au pays pour revendre. Donc, il est comme ça, le monsieur. La même en question m'a indiqué la maison, mais c'est juste que je ne peux pas donner bien l'adresse pour ne pas reconnaître l'histoire bien comme il faut. Mais certaines personnes, les Togolais, peut-être quand ils vont écouter l'histoire là, peut-être ils vont reconnaître cette histoire là, tu vois. Le monsieur en question faisait le marché, tout ça, tout se passe bien avec ses enfants, sans problème. Un beau jour comme ça, le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé, on a fait comme nous les musulmans, on ne laisse pas le corps à la mort, ou bien ça a duré seulement que peut-être ça ne va même pas atteindre 24 heures quand une personne décède chez nous les musulmans. On a enterré le monsieur. Quand on a fini d'enterrer le monsieur, tout le monde a retourné. Ils ont tourné le dos comme ça pour partir. La tombe du monsieur a commencé à prendre le feu, ça a pris le feu, ça a pris le feu. Ah, mais tout le monde était étonné. Et ça, c'est quelle histoire encore, ça? On a fini d'enterrer la personne et puis le tombeau commence à prendre le feu comme ça. Les grands alphas ont parti demander les dames à la maison parce que chez nous, les dames ne partent pas au cimetière. Le monsieur avec l'imam qui a fait le prière, ils sont partis à la maison pour demander les dames que, ah, quand votre mari était là, est-ce que vous soupçonnez quelque chose ou bien votre mari faisait quelque chose? Parce que ce qui s'était passé comme ça, on n'a rien attendu. Et les dames ont dit non, il y a rien que leur mari fait, mais c'est juste qu'il y a une chambre dans leur maison que personne ne rentre pas dedans. Donc personne ne sait pas ce qui est dedans pour savoir qu'est-ce que le monsieur fait. Ils ont parti ouvrir la chambre. La chambre était bloquée, donc ils ont cassé la porte. Quand ils ont rentré dans la chambre comme ça, DMG, c'est difficile à comprendre. Le monde là est difficile, hein? Je te jure, ça fait peur. Quand ils ont ouvert la porte comme ça, ils ont vu une fille. Une fille. Mais la personne est morte, ça fait plus des années, je sais pas, ça fait longtemps. Les os d'une fille comme ça est debout dans la chambre, en genoux. C'est un genou. Et puis le Coran qu'on prend, nous, les Corans que nous, les musulmans, on utilise pour faire notre coranique, tout ça là, est dans la main de la fille. Et qu'est-ce qui est le rituel du monsieur? Quand le monsieur se réveille le matin, chaque matin, quand il rentre dans cette chambre-là, il prend une feuille de ce Coran-là. Quand il finit de faire son caca, il prend une feuille de Coran-là pour nettoyer ses fesses. DMG. Le monde là, c'est difficile. La fille a un genou, hein? La fille, personne ne sait pas comment ça s'est arrivé. La fille est rentrée dans la maison, là, jusqu'à aller dans la chambre de monsieur, là, s'agenouiller là-bas. Et puis dans sa main, il y a Coran ouvert comme ça, dans sa main. Et puis chaque matin, le monsieur vient, il prend une feuille de Coran, là, quand il finit de faire son caca, il prend ça pour nettoyer ses fesses et puis il dépose ça dans un panier là-bas. Depuis que le monsieur a commencé à faire ça, il n'a jamais, jamais, jamais jeté les papiers de Coran là quand il prend pour nettoyer ses fesses. Il n'a jamais, jamais jeté le papier là. Donc tous les matins quand le monsieur se réveille, il rentre dans sa chambre. C'est que le monsieur fait ça. Tu vois? Donc lui, c'est sa manière de rituel ça. Donc il prend une feuille de Coran là pour nettoyer ses fesses et puis déposer ça là-bas. Et puis c'est ça qui fait, je sais pas, c'est ça qui fait qu'il gagne l'argent ou comment. Bon, c'est pour lui ça. L'enfant de quelqu'un, c'est pas sa propre enfant, c'est pas sa propre fille. Hein. L'enfant de quelqu'un, je sais pas s'il a kidnappé la personne ou bien comment il a payé la personne ou comment, je sais pas. On a trouvé une fille dans sa chambre en genoux et dans sa main, il y a Coran ouvert comme ça. Donc chaque matin, le monsieur prend une feuille de Coran pour nettoyer ses fesses quand il fait caca. Donc, c'est ma petite histoire, ça, DMG. Vraiment.
Ça, c'est grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Même moi-même, quand je te parle tout de suite aujourd'hui, là, aujourd'hui, comment on appelle, aujourd'hui, c'est le 16, comment, c'est le 16, là, que je te parle, il y a une histoire qui vient d'arriver tout de suite sur moi-même, que je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais prendre mon temps, peut-être jusqu'à demain ou après-demain, je vais t'envoyer l'histoire, là. Comment... Bon, waouh, c'est vraiment hors du commun. Bien, écoutons encore un autre témoignage. Bonjour à tous ceux qui vont écouter cette histoire qui est mon histoire. C'est une histoire que j'ai vécue aux années antérieures, lorsque j'étais encore au Cameroun. Au Cameroun, à cette époque-là, j'étais jeune fille et je travaillais au début, je travaillais, je faisais formation de coiffure. L'époque, il faisait une formation de coiffure. Je voulais être une très grande coiffeuse. J'avais encore les ambitions de jeune fille. Je voulais être coiffeuse et tout. Donc, je suis partie pour faire la formation dans ce salon de coiffure-là. C'était un salon de coiffure très classe, hein, très chic, de la place. Voilà. Donc, du coup, j'étais là-bas, c'était bien. Et là où il y avait le salon de coiffure, il y avait des restaurants qui étaient pleins à côté de nous. C'était en ville, quoi. Et le restaurant, c'était juste derrière les meubles Soka. Vous voyez un peu les meubles Soka. Donc un peu derrière là-bas, il y avait un salon de coiffure un peu classe. Lorsqu'on entrait dedans, c'était très chic. Donc, il y avait la formation dans cette salon de coiffure-là. Et à côté, il y avait des restaurants de tout genre. Voilà. Il y avait des bars, des restaurants, il y avait tout. C'était chouette. Un jour, je vois un monsieur qui me salue. Il passe d'abord avec une petite véhicule rouge là. Il me salue. Il était jeune, mais un peu. Il n'était pas mannequin. Hein. Il était un peu rond, hein. Un peu bébé joufflu, bébé joufflu. Il m'a salué, moi aussi j'ai répondu, parce qu'au salon de coiffure, parfois on faisait aussi des ménages pour rendre le salon propre. Donc on nettoyait aussi le dehors, l'extérieur, on balayait et tout. C'était toujours pour le travail. Vous savez, dans le salon de coiffure, il y a toujours, vous lavez les serviettes, vous mettez dehors, vous faites un peu la propreté. Voilà, donc pendant qu'il faisait mon tour de ménage ce jour, le monsieur passe avec la belle petite voiture, il me salue. Après il passe encore, il me salue. Ma patronne était là, je ne voulais pas trop saluer. Franchement, il m'énervait même parce qu'il insistait trop, parce que ma patronne était là. Je ne voulais pas qu'il attire l'attention. Il y a quoi? Tu passes avec ta voiture, tu me vois, tu insistes quoi? Passe ta route, non, papa, il y a quoi? J'étais jeune fille. Après, c'est sûr qu'il a compris, il est parti. Lui aussi, il était jeune, hein, il n'était pas trop vieux. Il est parti. Et donc, un jour, le voilà qui débarque encore. Il passe encore. On était derrière mes copines, je ne voulais pas attirer l'attention parce que quand j'étais jeune, petite fille, j'étais timide. Donc quand un gars me draguait, j'étais le genre qui ferme les yeux, qui souriait un peu de côté, qui était frustré. Voilà, j'étais comme ça. Donc subitement, le gars insiste, insiste, insiste. Mais on dirait que quand il insistait comme ça, il ne partait pas. C'est comme s'il localisait mes heures de sortie. Et mes heures de sortie, pour aller prendre mon taxi, bim, c'est toujours le même gars qui m'accoste. Ah, je me suis demandé, mais c'est quoi avec lui et tout. J'étais toujours la petite fille timide. J'étais timide. Il me propose, je te dépose et tout, je refusais toujours, je refusais. Ok, demain, je passe au salon de coiffure, je te fais signe, tu viens manger au restaurant avec moi et tout. Je dis oui. Donne-moi ton numéro, je donne le numéro vite fait, bon, voilà, comme ça. Je donne aussi comme ça parce que bon, voilà. Peut-être qu'on donne le numéro même sans savoir même pourquoi est-ce qu'on donne. Et c'est comme ça que le gars, alors finalement, il a commencé à m'appeler au téléphone. Je vais passer au salon de coiffure te chercher. J'ai dit non, 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 ne passe pas au salon de coiffure, ma patronne est là, ne viens pas au salon de coiffure et tout, tout. Attends-moi dehors. Et tout, c'était devenu une histoire terrible, cauchemar d'ex. Le gars ne me lâchait pas. Il ne me lâchait pas, c'est sûr que lui aussi, il avait compris que je suis jeune fille, il a compris que je suis timide, donc du coup, il marchait maintenant à mon rythme.
Donc c'est moi qui lui disais, attends-moi là-bas en bas, vers le rond-point d'Aïdo, vers la gendarmerie, oui, vers la police là-bas, attends-moi là-bas. Oui, quand il veut sortir, il veut marcher, je vais descendre, je vais te faire un signe. Ou bien attends-moi vers l'hôtel Lundé là-bas, et là on vend les voitures là-bas, je vais passer, marcher à pied, tu vas me occuper là-bas. Je n'ai pas besoin que mes collègues te voient, je n'ai pas besoin que ma patronne te voie et tout. Je parlais comme ça. Le gars aussi, il était patient. Donc du coup, quand il me prenait maintenant, il m'amenait manger le poulet braisé, m'amenait. C'était chouette, c'était bien. Mais le gars était tellement fraîche qu'on dirait qu'il vivait même en Bengue. Il ne savait pas où celui-là sortait. Il me parlait de chez lui, il habite à Koto. Ah, moi, je suis à Daido, bon, à Daido, pas loin du lycée. Il me parle de Koto, Koto Bloc et tout et tout. Moi aussi, je l'écoutais aussi. À chaque fois, il me disait que je t'invite chez moi. Il me dit non. Je retournais aussi comme les jeunes filles tournent souvent. Non, non. Un autre jour, pas aujourd'hui. Un autre jour, pas aujourd'hui. Non, laisse tomber. Un autre jour. C'est comme ça que j'ai tourné le gars comme ça. Peut-être que jusqu'à 2 mois, le gars patientait toujours. 3 mois, le gars patientait, il draguait toujours. Après, il m'amène au marché central là-bas. Là. Il dit que tu importais quoi? En ce moment, j'adorais la friperie. Les premiers choix de la friperie, là, oh là 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 là. Si, de déballo, quand ça commençait, j'étais la première qui était devant. Donc, elle me dit que, mais attends, t'as mis à la boutique. J'ai lui dit que non, je connais comment ça se passe parce que je savais très bien que les boutiques qui sont là-bas, Bonacriso, là, il y a des boutiques là-bas que je voyais les patrons là-bas au marché. Central, est-ce qu'on fait le déballage? Ils prennent les premiers choix au marché là-bas qu'on vend à 500 000 francs. Là, elle amène ça au pressing. Elle avait ça très bien. Elle amène ça dans sa boutique à Bonapriso. Elle dépose ça là-bas. Elle bombarde le prix. Donc, comme je connaissais déjà qu'on fait ça, donc pour moi, c'était plus la peine même de partir encore dans des boutiques. Donc, moi aussi, je partais faire les premiers choix là-bas. Là, je cherchais une bonne friperie. Moi aussi, je lave bien, je les repasse bien. J'ai toujours mis ça sur moi. Et qui est. Quand je m'en vais, moi, sortir avec, on pensait seulement que je sors même d'Australie. Bon, c'est comme ça que là, j'ai tourné au gars. Après, un jour, j'ai commencé maintenant à m'attacher au gars, non. Donc, quand il ne m'appelait pas, j'étais triste. J'attendais seulement son appel. Quand il ne m'appelait pas, j'étais triste. Donc, maintenant, j'étais contente du fait qu'il m'appelle, non. Quand il m'appelait maintenant, j'étais contente qu'il m'appelle. Donc, je commençais à le considérer un peu comme un copain parce qu'il a été persistant dans la drague. Il a été persistant. Non, je me suis dit, ah, il m'amène au shopping, il m'amène au restaurant, il est patient, il me récupère, il me dépose chez moi, il ne m'harcèle pas sexuellement, le gars est doux, on dirait. C'est pas là où celui-là était sorti. C'est comme ça qu'un beau jour, alors mon jour de repos, il me dit, ton jour de repos, c'est quand? Il dit, le jeudi. Ok. Il me dit, bon, le jeudi alors? Est-ce que tu pourrais venir chez moi? J'ai dit, ok, bon, appelle-moi quand même le jeudi. Je verrai bien s'il faut qu'on passe chez toi aussi. Comme ça, naïvement, je vais parler comme ça. J'ai dit, ok. Comme ça que je me suis préparée bien. Et tout le jeudi, mon jour de repos. Au salon de coiffure, je m'étais fait une belle coiffure. Mon jour de repos et tout. J'ai dit, bon, quand il m'a traqué pendant longtemps et puis il ne m'a jamais rien fait du mal, il manquait de respect. Il faut que je me fasse belle quand même pour lui parce que j'ai commencé à m'attacher à lui. C'est comme ça que le gars il vient me prendre. On tourne quand même en ville. On mange un peu. Après, on prend la route pour Koto. On arrive à Koto. Ce n'était pas une grande maison. Il avait son petit studio qui était là, qui était chambre, salon et cuisine, douche. Avec un côté parking, il avait garé sa petite voiture. C'est donc comme ça que on entre tout bien, relax, maison du jeune garçon, bien, célibataire, de là, tranquille. Mais la maison est très très classe dedans, c'est très chic, très propre. C'est comme ça que moi je m'assois, ils m'offrent un truc, je commence à grignoter un truc là qu'il m'a apporté, je me souviens même plus de quoi, c'était l'arachide, c'était quoi. Il m'apporte aussi un jus que j'ai buvé, on buvait à deux, après il me dit qu'il a très chaud. Il a envie de se débarbouiller. Est-ce qu'il faut que je prenne une douche ensemble? Je lui ai dit que non. Moi, avant de quitter chez moi, je me suis douchée. Il n'a pas envie de me doucher. Il me dit, oui, il a très chaud. Enfin, il arrive, hein, il arrive. Que je m'assoie très bien ici dans le salon, que je me relaxe. Il arrive, il veut prendre une douche. Moi aussi, dans mon histoire d'amour, c'est pas doux.
Je voulais dire m'attacher à lui, le considérer comme copain. C'était ça mon idée. Naïvement, comme ça, vie de jeune fille, vous voyez un peu. Donc c'est comme ça que, bon, j'accepte de rester au salon, je fais mon zapping à la télé, je fais mon zapping à la télé, et tout et tout. Oui, il finit de prendre sa douche et tout. Il vient vers moi, mais quand il vient vers moi, il n'est pas habillé. Il vient avec la serviette qu'il a attachée à la taille. Il s'assoit à côté de moi, il me passe la main dessus, il me fait des câlins, il m'embrasse. Je me laisse faire parce que je me suis dit, je le connais, ça fait 3 mois déjà qu'on se connaît. Un peu de confiance, je me laisse un peu aller, je lâche mes gardes, quoi. Donc je me laisse aller, voilà. Je laisse, il me caresse, il me touche, il me fait des câlins sur la joue, il m'embrasse. Je laisse faire. Il n'était pas les garçons, il n'était pas non plus Brad Pitt. Il n'était plus. Il n'était pas le genre qu'on peut dire qu'il est mouchine. C'était un bel homme. Et c'est comme ça que voilà, moi, dans mon histoire de tranquillité, je suis là, concentrée. Après, le voilà qui me dit, mais viens dans la chambre. Tu viens dans la chambre. Dans tout ça, là, il ne se faisait pas tard. Et c'était en journée. Ce n'était pas la nuit. C'était en journée. Donc, c'était vers entre 16h comme ça et 17h. Donc, la nuit se préparait déjà à tomber. Comme ça que moi aussi, je me laisse faire. Il me séduit, il me séduit. Il m'amène dans la chambre. Comme ça qu'il m'amène dans la chambre. Moi, j'étais habillée en pantalon jean, taille basse. Et j'avais un haut rayé rouge blanc. Et de 3 quarts, dont les manches n'étaient pas longues. C'était des demi-manches. Avec les boutons pliants au niveau des épaules. C'était une chemise 3 quarts, en laine, avec un pantalon jean, avec les petits talons. J'avais mon petit sac bandoulière. Parce qu'à l'époque, là, la bandoulière venait de sortir, ça chauffait beaucoup. Ça chauffait trop. Donc c'est comme ça que. Oh. Moi, je laisse mon sac au salon. Je regardais une émission là qui passait à la télé. La télé, le salon était allumé. Donc, on a laissé la télé allumée au salon, on est parti dans la chambre. Dans la chambre, il m'embrasse, il m'embrasse, il m'embrasse. Donc, je me laisse faire parce que je voulais qu'on entame une relation. Il était trop gentil avec moi, donc je voulais le considérer comme copain. Donc, il voulait que la relation soit conçue. Donc, je me laisse faire. Il me caresse bien. Mais lui, il a une serviette qu'il attache au niveau de la taille. Et moi, j'avais toujours mon pantalon. Et il m'avait enlevé les chaussures, j'avais enlevé les chaussures. Et puis, il m'a fait allonger sur le lit. Il est monté sur moi et m'a déboutonné ma chemise. Excusez-moi le terme, mais j'ai envie d'expliquer pour que vous compreniez comment la chose a commencé avant qu'on arrive là. Il m'a déboutonné toute ma chemise que j'avais. Et voilà. Mais il m'a enlevé, il a déboutonné le. Il a enlevé la boucle de ma ceinture. Mais il n'a pas enlevé le pantalon du tout. Donc j'avais encore mon pantalon sur moi. Mais sauf que la ceinture n'était pas fermée. Il n'était plus fermée parce qu'il avait ouvert la ceinture et qu'il m'avait déboutonné la chemise. Mais j'avais toujours mon soutien-gorge, ma chemise qui était déboutonnée et ma ceinture qui n'était plus fermée. Donc c'était l'amourachement des deux jeunes amoureux. C'était bien, c'est passé bien. Et moi, tellement que j'étais concentrée, je me laissais faire. Voilà. Et je voulais contempler le temps qu'il a en train de me faire des câlins. Donc, comme il m'a fait allonger sur le lit, et lui, il est monté sur moi, il me faisait des câlins. Je me suis laissé faire. Et maintenant, je me suis lâché prise et j'ai fermé les yeux. C'est ça l'horreur que j'ai fait. L'horreur que j'ai eu à faire, c'est que je ne le regardais plus. J'ai eu à fermer mes yeux parce que je voulais contempler le temps. Des câlins pour me relaxer un peu, pour entrer dans l'ambiance de l'amour et l'affection. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai fermé les yeux. Je ne regardais plus. Mais quand j'ai fermé les yeux, pour ressentir les câlins profondément et tout, essayer un peu d'entrer dans une atmosphère du septième, c'est je sais pas quoi, ciel. C'est là où le grand me fait pour des câlins. C'est là où silence absolu. Quand j'ai fermé les yeux, c'est devenu silence absolu. Les câlins, il était sur moi, je le sentais sur moi, je sentais sa respiration, mais sauf que il ne bougeait plus. Mais je suis restée aussi avec les yeux fermés parce que je voulais qu'il continue à faire les câlins, mais sauf qu'il ne fait plus rien. Rien ne se passe.
C'est là où un cœur m'a dit, ouvre les yeux. Quand je ouvre les yeux, pardon, excusez-moi le thème parce que là, c'est le cauchemar qui commence. Quand je ouvre les yeux, c'est là où je vois le gars figé sur mon visage, en train de taquiller ses yeux sur moi. Mais il taquille ses yeux du genre comme si c'est un serpent en bois qui veut avaler sa proie. J'ai regardé, mais je suis restée silencieuse. Après, un cœur m'a dit que c'est sûr qu'il est en train de faire crise cardiaque. Mais dans mon cœur, quelque chose me dit, reste tranquille, observe juste. Donc je suis restée tranquille, je l'observais. Il me regarde fixe sur mon visage, mais il a l'air perdu. Il a l'air évaporisé de son corps. On dirait que la personne avec qui j'étais, ce n'était plus lui qui était sur moi. Je le regarde. Mais lui, il me regarde, mais sauf que ses yeux sont écarquillés. Ses yeux sont écarquillés comme ça, là. Comme quelqu'un qui sortait d'une autre planète. Ce n'était plus comme la personne avec qui j'étais là. C'est donc comme ça que. Mais... Après un moment, il s'est projeté, il s'est levé de sur moi. Quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a projeté, ou je ne sais pas. Quelque chose l'a projeté dessus moi. Il a atterri sur le sol, mais il n'est pas tombé. C'est sa serviette qui est tombée. Quand sa serviette est tombée, DMG, le gars s'est mis à danser une danse pas possible. Il dansait comme s'il écoutait la musique qui sortait d'un autre monde. Je dis qu'il dansait une danse incroyable. Il bougeait les reins comme ça, pim, 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 pim. Et non seulement c'était un gars qui n'était pas maigre, hein. Il avait un petit corps et il avait été bien formé, mais sauf qu'il avait, le derrière était bombé un peu comme pour une femme. Mais la façon qu'il remuait ça, ça remuait comme ça, comme deux bouts de couscous qui sortaient chaudement de la marmite. Il dansait et il souriait, il avait l'air d'une personne perdue. Donc il avait un regard effacé ailleurs. C'est comme si... Il ne se rendait pas compte que je suis là. Il dansait, il sautait les piches. Je dis les piches, pas possible. Le genre de piches que même jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis en train de vieillir comme ça, je n'ai jamais vu une personne danser comme ça de ma vie. Le gars dansait, dansait, dansait. C'est-à-dire qu'il dansait comme s'il écoutait la musique, mais sauf qu'il n'y avait pas la musique. On était deux. La petite télévision qui était au salon, il n'y avait pas la musique sur ça. C'était une émission qui passait. Et non seulement on n'écoutait même pas ça dans la chambre. C'est comme ça que un cœur m'a dit, je le regardais. Je pensais qu'il faisait comme ça pour me séduire. Mais j'étais couché sur le lit comme hypnotisé. J'étais couché sur ce lit comme hypnotisé, comme une personne qu'on avait hypnotisée. Que couche-toi là et observe et regarde. J'ai regardé un moment. Après, c'est comme si un esprit est entré en moi pour me dire que ce que tu es en train de regarder n'est pas normal. Tu es là, tu regardes quoi? Sors vite d'ici. Ce que tu regardes n'est pas normal, ce n'est pas naturel. DMG, quand un cœur m'a parlé comme ça, c'est comme ça que j'ai eu comme une force de me lever de ce lit. Quand je me suis levé de ce lit, je suis sorti de cette chambre comme des pères. J'ai pris mes chaussures, raclé mes chaussures. C'était le genre que je courais à ma bien. Je courais à ma bien. Quand je suis arrivé au salon, j'ai raclé mon sac qui était sur le canapé. Vrac! J'ai atterri devant la porte. Il y avait la clé derrière la porte. J'ai ouvert la porte. Un temps de mouvement, j'étais dehors. J'ai senti presque ça arrivait au premier carrefour. Mon cœur palpitait mille à l'heure. Parce qu'un esprit cœur m'a fait comprendre que ce que c'est en train de vivre n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Quand j'arrive au carrefour, tout mon corps tremblait. Même comme je vous raconte l'histoire, si quand je parle à cette histoire-là, je tremble toujours parce que même jusqu'à maintenant, les années sont passées. Mais quand je pense à ça, mais quand je suis seule, j'ai peur. C'est comme ça que quand j'arrive au carrefour maintenant, je prends le taxi. Quand je prends le taxi, j'arrive chez moi. Quand j'arrive chez moi, je ouvre ma porte. Quand je rentre dans ma chambre, c'était une petite chambre avec une douche que je louais à l'époque. C'est là où j'ai eu la respiration est revenue à moi. Je me suis demandé, mais où est-ce que j'étais? Comment est-ce que j'ai fait même pour arriver même là-bas à Koto? Je ne sais pas.
Le gars l'a fait comment pour m'enlever dans mon secteur de Daido, derrière la pharmacie de la rive, pour m'amener jusqu'à Côte. C'est là où j'ai compris que j'étais hypnotisée. Après maintenant, un jour passe, deux jours passent, le gars ne fait pas signe de vie, une semaine passe, j'ai repris mon esprit normal. J'ai commencé à faire mes activités normales. Il n'a plus fait signe de vie. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai plus jamais vu ce gars. Le gars qui me courait derrière pendant 3 mois de drague. Je ne l'ai plus jamais revu. Il ne m'a plus jamais appelé. Je me suis dit que c'est la honte qui lui a fait qu'il se comporte comme ça. Ou c'est la honte. Moi aussi, je suis restée. J'ai supprimé son numéro de mon téléphone. Je me suis dit que mon Dieu, ce genre de contact, ce n'est même pas la peine d'avoir ce genre de contact sur son téléphone. Il faut supprimer ça une fois. J'ai supprimé, j'ai effacé tout ça. J'ai bloqué, supprimé. C'est là où, quelques temps après, j'ai su que le gars, il marchait avec un très, très grand musicien. Et ce gars-là, quand il marche avec les grands musiciens, ils entrent dans des loges. Et dans ces loges-là, il faut qu'il situe le grand musicien pour que, quand le grand musicien va voyager avec lui, va avoir plusieurs danseurs. Parce que quand le grand musicien a plusieurs danseurs, il faut que ces danseurs-là charment le grand musicien. Et que parmi les grands danseurs qui dansent avec le musicien, il faut qu'un soit proche du musicien. Donc parmi les danseurs-là, ils pratiquent beaucoup. Il pratique tellement beaucoup parce qu'il veut que le grand musicien soit son ami. Il veut que le grand musicien soit... Il veut être le bras droit du grand musicien. Comme ça, quand le grand musicien va voyager, c'est toujours lui qui serait à côté de lui. Ça serait comme l'ongle et le doigt. Donc, ces musiciens-là et ces danseurs-là, ils entrent sur beaucoup de choses. Ne voyez pas les gens ici dehors comme ça, là, qui dansent dans des pistes. Ils font des concerts. Vous les voyez danser. Ils remuent les fesses et tout. Parfois, ils dansent les danses qui ne sont pas de ce monde. Parfois, ils écoutent des musiques de notre monde et ils viennent chanter ça dans notre monde aussi. Et nous, nous dansons comme des bétails. Faites attention. Ne laissez pas vos enfants à 16h, 17h. Une grand-mère va sortir de nulle part. Appelez vos enfants, venez danser ici, là, je vous donne des bonbons. Ne faites pas l'erreur, là. C'est quelques années plus tard que j'ai commencé à voir le gars qui m'a terrorisé en dansant devant moi, en écoutant la musique de notre monde à la télévision. Il était déjà aux États-Unis avec un grand musicien. Que si j'appelle le nom du musicien, là, vous allez seulement tomber évanoui ici. Il veut seulement taire le nom de ce musicien. Lui aussi est devenu chanteur. Lui aussi est devenu musicien. Et à ce qu'il a commencé à faire ça par le concert. Mais si je vous dis le nom de la personne. Pardon. Pardon. Le dehors s'est gâté. Lorsque vous êtes là, quelqu'un vous dit, une personne que vous ne connaissez pas, vous draguer seulement, ou bien votre femme, votre copine, commence à danser un genre sur vous là. Faites attention s'il n'y a pas le vous de la danse, la sorcellerie sur elle. Si elle n'écoute pas la musique de notre monde, vous allez voir les gens, ils dansent des danses impitoyables. C'est pas qu'on les montre dans les loges là-bas, qui vient montrer ici. C'est les chansons qu'on a chantées dans les loges là-bas, qu'ils nous ramènent dans notre monde. Nous aussi, on danse comme des bêtes. Voilà. Voilà ma part d'histoire que j'ai toujours vécu là-bas, ma jeunesse au Cameroun. Une personne qui danse la musique de notre monde. Mais dans quelles circonstances? Circonstances que tu dois faire l'amour à ta copine. C'est là où tu commences à danser et sourire seul, tournant les fesses comme un diable. Donc, attention. Attention vraiment. Le monde, c'est vivant seulement. Merci. Je suis même choqué parce que je vous entends très très choqué. Hein? Nous allons écouter quoi, le témoignage, une histoire terrible. C'est parti. Raconter une petite histoire qui m'était arrivée déjà en Bédu dans 3 semaines quand je suis revenue au Togo. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles de moi ou comment. Bon, j'étais au Niger. Je t'ai envoyé les messages par WhatsApp. Mais comme je suis partie au Ghana, donc du coup j'ai pas eu le temps de rester connectée sur tout ça là. Donc comme j'étais passée là-bas pour quelques semaines, donc du coup je rentrais au pays, au Togo. Et comme j'ai changé le portable aussi, j'ai pas votre numéro pour pouvoir lancer les messages, tout ça. Donc c'est pour ça que ça fait un bail.
Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Donc, je suis revenue au Togo. Je suis revenue le 22 juin. Le 22 juin. Donc, je suis revenue le 22 juin 2023, là, pour le moment de la fête de Tabaski, parce que moi, je suis une musulmane. Donc, pendant, je fais une semaine comme ça, après la deuxième semaine, j'ai remarqué à chaque fois je me lave, parce que j'en ai à maison location. Donc, à chaque fois que je me lave, il y a un lézard qui reste sur l'étagère de la porte, ou bien parce qu'on a trois douches dans la maison. Donc, si je suis au milieu de la douche, celle qui est deuxième, je vois le lézard qui reste sur le mur de première douche qui me fixe à tout le moment. Mais quand ça me fixe comme ça, vraiment, comme j'écoute tes messages, tout ça, les histoires que les gens apportent, vraiment, ça m'a aidé d'ouvrir la tête dès que je vois quelque chose qui veut tourner mal, que je sens en même temps quand tu vraiment, je vais dire mes soeurs et mes frères, même mes parents, je ne sais pas comment dire ça. Donc, dès que tu vois quelque chose que tu sens qui est ça, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est un peu clair, vraiment. C'est juste parce que ce n'est pas clair. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche là-bas. C'est pour ça que tu as ça en tête. Ce n'est pas parce que tu vas imaginer. Non, non, non. Si tu vois quelque chose, tu as senti que non, ça, c'est non. C'est non, vraiment. Donc, du coup, quand je me lève, je vois les lézards qui est en haut du mur, qui me fixe, qui me regarde. Et puis, je commence à avoir peur. J'ai dit, ah, mais c'est ça, c'est quel lézard qui me fixe comme ça? Bon, quand j'étais au pays aussi, à chaque fois quand je me lavais, je voyais ça comme ça, mais je n'ai pas pu le remarquer, non. C'est chez moi, j'ai dit non, ce sont des lézards qui restent sur les murs ou tout ça là. Mais là que je suis revenue, vraiment, on dirait que tu vois comment ça a fait un bail, tu n'as pas vu quelqu'un, et puis tu revois que la personne, tu le regardes de haut jusqu'en bas. C'est comme ça le lézard me regarde, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça me fait peur tellement que quand je me lave même, je n'arrive pas à rincer mon visage. Dès que je me lave, je fais vite, vite, et puis je prends ma serviette et je sors de la douche. Dès que je sors, je viens sur la terrasse et je lave mon visage avec le savon parce que j'ai peur que je mets le savon sur mon visage. Dès que je ferme les yeux, ça m'attaque ou bien quelque chose comme ça. Donc, ça fait comme ça pendant une semaine, j'ai remarqué. Parce que à chaque fois que je vais laver ça, je vois ça, le lézard sort de nulle part et je le trouve en même temps là-bas. C'est pas que non, il a marché sur le mur pour venir. Non, non. Dès que je me lave, dès que je rentre dans la douche, je le vois de nulle part qui apparaît devant moi et qui est là, qui me fixe. Et, ah, mais ça, c'est quoi ça, Dieu? Ça, c'est quel nouveau dossier aussi, ça? Parce que moi, du genre, je suis quelqu'un, j'ai peur des animaux, des animaux. Moi, j'ai peur. Dès que je vois, j'ai peur. Même si c'est une mouche, moi, je vois, j'ai peur vraiment. Donc, désolée pour la façon que je parle, parce que je me sens pas bien aussi un peu. Là, et un beau matin, mon père sortait pour aller au service. J'ai dit, ah, papa, quand je me lave à chaque fois, je vois un lézard qui reste sur le mur qui me fixe. Et puis mon père m'a dit, non, ça c'est un lézard, ce n'est rien. Vraiment, les parents, quand ta fille ou bien ton enfant, ou je sais pas trop là, qui te dit que non, j'ai vu quelque chose, c'est parce que la personne, quand il voit ça, il a un mauvais pressentiment que la personne sent. Et dès que tu vois quelque chose et puis tu imagines, tu as ressenti que non, ça va m'arriver mal. Non, ça, la façon dont ça me fait, c'est quelque chose de mal. Il faut éviter. Vraiment, parce qu'il y a les parents, quand les enfants les disent non, il y a quelque chose, ils vont nier, ils vont prendre ça à l'air comme ça, alors que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser. Donc, du coup, quand j'ai dit ça à mon père, vraiment, ça ne m'a pas arrangé, parce que le jour que je l'ai dit, même ce matin, la soirée vers midi, comme ça, parce qu'il y a la fraîcheur un peu, en plus, je ne me sens pas bien. Bon, je me lave pas trop le matin parce que je suis à la maison. Donc, je laisse peut-être à midi ou à 13 h comme ça. Je vais aller me laver pour pouvoir prier en même temps.
Quand je suis retenue pour aller me doucher, j'ai vu les lézards encore. Mais ça m'a. Ça... En plus, j'ai peur que non, si je verse l'eau dessus et puis il me saute dessus, comment je vais faire? Là, j'ai laissé. C'est un samedi, on était ensemble là, avec ma mère, avec mon père, là, avec mon petit frère. Et là, j'ai dit, quand je me lave, il y a un lézard qui me regarde bizarre, qui me fait bizarre. Et puis mon père dit non, lui il a dit que c'est un lézard simple, non, c'est pas un lézard quelque chose. Et ma mère dit, là c'est que j'ai ma mère. Et j'ai dit, mais la façon dont le lézard là me fixe, même si c'est un lézard simple là, ça va devenir de la sorcellerie parce que la façon dont il me fixe, c'est pas bon. Un lézard simple ne peut pas regarder un humain comme ça. Quand tu es nu, tu es en train de te laver, non, ça se fait pas. Donc là que ma mère me dit, quand tu veux te laver et puis tu l'as vu comme ça, prends l'eau et tu le verses dessus et va partir. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, je suis en train de me laver et je l'ai vu encore. Et j'ai pris un peu de l'eau et puis je l'ai versé dessus. Je l'ai versé dessus deux fois et puis il s'est éloigné un peu, mais il n'est pas parti. Il s'est éloigné un peu. Donc, du coup, quand je suis en train de me laver vite, j'ai vu qu'il est encore revenu et je fais vite, je suis sortie de la douche. Donc, quand je suis sortie, j'étais partie chez un ami et une copine. On était croisés chez une coiffeuse et je me suis rappelée de ça. J'ai dit, ah, vraiment, il y a un lézard quand je me lave qui me fixe. Déjà, c'est quelque chose. Si c'est quelque chose qui n'est rien, ça ne peut pas rester dans la tête de. Ça ne peut pas rester dans ma tête comme ça. Donc, du coup. Je ne veux pas juste me maîtriser, vraiment. Ça m'a... La façon dont DMG, grâce à mes fixes, j'ai peur. J'ai tellement peur que quelque chose m'arrive dans la douche. Donc, j'ai dit ça à ma copine, là, avec la coiffeuse. Elle me dit, ouais, mais ça, c'est quel lézard, ça? Ça, c'est pas un lézard normal. Un lézard ne peut pas venir te fixer comme ça quand tu veux te laver. Non, c'est pas normal. Donc, dès que tu vois ça, fais pipi et puis tu prends, tu verses dessus. Donc, comme j'ai déjà écouté dans l'émission DMG, quand les gens ont dit que non, parfois tu verses le pipi dessus, ça peut prendre, ça peut te gâter quelque part, tu n'auras pas des enfants ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'ai dit non, je ne peux pas verser le pipi dessus comme ça. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et depuis 2 jours ou bien 3 jours comme ça, quand je me lave, je ne vois pas les lézards. Je ne le vois pas. Donc, parce que quand je dois regarder, là où souvent il vient se placer. Donc, ça fait un bail, je ne l'ai plus vu et ça n'est pas encore atteint une semaine quand je ne l'ai plus vu. Parce que j'ai remarqué ça déjà quand je suis revenue le 22 qui est passé, j'ai fait un mois à Lomé. Donc, du coup, je ne sais pas, c'est pas que je suis au village, non, je suis en ville même. Mais vraiment, la façon dont les lézards là me fixent, ça me rend peur, pas possible. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire quand je le revois encore, de faire pipi, lui verser dessus ou bien comment. Parce que je ne connais pas, je suis un féticheur pour aller demander, non, il y a un lézard ou quelque chose. Parce que j'ai déjà passé chez les féticheurs, 3 personnes, vu la façon dont ils ont essayé de me redraguer. Donc du coup, ça ne me donne plus la peine d'aller chez les féticheurs, tu vois. Donc, c'est ma petite histoire, ça. Si je n'ai pas bien raconté ça, il ne sait pas si ça va édifier ou quelque chose. Donc, du coup, c'est que. Waouh, dites-moi ce que vous avez passé et ce que vous feriez. C'est que je peux donner dessus qui non, vraiment les parents. Si ton enfant te dit quelque chose, même si toi-même, au fond, tu ne sauras pas que c'est vrai ou pas. Essaye de mettre ça dans la prière. Si c'est vrai, tu sauras. Si c'est faux, tu sauras. Donc, c'est quelque chose de simple. Et vraiment, la façon dont le lézard là me fixe DMG. Dès que je rentre dans la douche, j'ai envie de courir, ressortir. Parce que vu la façon dont ça me fixe, j'ai peur. J'ai peur, pas possible. Donc, c'est ma petite histoire, ça. Waouh. Bien, écoutons un autre témoignage. Toujours dans Libreville, au Gabon, dans un quartier, il y a très longtemps. Ça remonte, hein, ça fait pratiquement 2 à 3 à 4 ans, un monsieur qui vivait avec sa femme et ses enfants. On va se nommer l'histoire le Soulard. C'est comme ça, le monsieur, il aimait boire le vin. Il aimait boire le vin. C'est-à-dire, quand il prend le salaire, tout son salaire n'est pas que dans le vin.
tous les jours, c'était la même chose. Tous les jours, le monsieur avec la femme, toujours, c'était les bagarres. Il peut prendre peut-être, il avait au moins peut-être 400 000. Quand il sort là-bas, il rentre dans le bar. Tout l'argent là reste là-bas. Il rentre comme ça là, ivre. Il n'a plus rien dans les poches. Parfois, il fait même les selles devant les enfants. La femme a beau parler, 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 parler. Non, la femme aussi était déjà dépassée. Elle a dit, plus que je te parle, tu ne veux pas m'écouter. Bon, moi, je veux repartir chez mes parents. Parce que toi, apparemment, moi, j'ai comme l'impression que tu le fais exprès. Moi, je veux repartir chez mes parents. Vous êtes la fille. La dame a ramassé les enfants, elle est partie chez ses parents. Elle a fait un mois là-bas. Les parents l'ont conseillé, que non, laisse, il va se remettre. Tu sais, avant, il n'était pas comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Essaie de gérer ça avec lui. La dame est revenue à la maison parce que les parents l'avaient parlé après un mois. Puisque le monsieur était parti chercher, il a dit qu'il n'allait plus jamais le faire. Alors, la dame est revenue avec les enfants à la maison. Un mois, deux mois, ça allait. Ah, le gars, maintenant, ah, c'est encore recommencé. Il buvait le vin, toujours, la même chose. Il arrive comme ça, là, bourré. Parfois, il fait les urines, il urine dans les habits, devant les enfants. Hein? Maintenant, un jour, il dit que le voleur a 90 jours. C'est un thème de ce propriétaire. Un jour, la femme assise, elle a trop réfléchi. Elle a dit que non, là, au niveau là, le monsieur là, il ne va pas laisser cette habitude. Il faut que je tourne le cerveau pour que le gars là arrête. Donc, c'est comme ça, la dame se lève un matin, elle va à la morgue. Arrivée à la morgue, elle trouve le morguier. Elle dit au morguier, bon, j'ai une mission pour vous. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Quand je vais vous appeler le soir, vous venez à la maison, vous soulevez mon mari, vous l'amenez ici à la morgue. C'est comme ça que les morguiens disent, nous, on va soulever ton mari à la maison, il n'est pas mort. Comment on va le soulever et l'amener à la morgue? S'il est bourré, vous pouvez gérer ça. La dame dit, non, écoutez-moi ce que je vais vous dire. C'est mon mari, on est mariés légalement. C'est un truc que j'ai déjà conclu avec les parents. Donc, vous allez faire ce que je vous dis. Et moi, je vais vous payer pour ça. C'est comme ça que la dame a dit, bon, vous demandez combien pour le service que vous allez me rendre? C'est là où les morguiens disent, bon, tu dois me donner tant. La dame a dit, ah, ça, c'est beaucoup. Voilà ce que j'ai. C'est comme ça que la dame a donné la somme demandée par les gars avec beaucoup de négociations. Comme ça, les gars sont répartis. Ah, le monsieur rentre là-bas le soir, bourré à zéro, toujours les mêmes choses. Il vient là-bas, il commence à faire le bruit, allez, boum, quand il tombe là, c'est fini au sol. Il commence à ronfler, allez. C'est comme ça, la dame appelle les morguiers. Venez, oh. Les morguiers arrivent. Ils n'avaient pas pris l'ambulance. On n'est pas tiré l'attention des gens. Ils ont pris un taxi, ils sont arrivés, ils ont soulevé le gars. Ils ont amené le gars jusque là où il y a la salle de cercueil. Donc, ils ont posé le monsieur dans un cercueil. Parce qu'on savait que vers les 5h, 6h, il devait se réveiller, puisque la dame avait indiqué l'heure à laquelle le monsieur se réveille souvent. Alors c'est comme ça qu'on l'a mis là-bas dans le cercueil. Maintenant, vers les 3h, 4h du matin, puisque les gars avaient déjà l'heure, ils sont venus, se sont cachés. Comme ça, le monsieur, quand il se réveille comme ça, il sent qu'il est dans un endroit là où il y a les cercueils et tout. Il dit, mais j'ai fait quoi ici? C'est comme ça, un morgueur sort, il dit, oh monsieur, vous êtes mort. Vous êtes mort par accident de circulation. Vous avez traversé la route puisque vous étiez bourré. La voiture vous est renversée et vous êtes mort. Donc, vous restez dans le cercueil. Vous attendez le jugement. Tout à l'heure, on vous ouvre la deuxième porte et vous rentrez au paradis. Vous allez aller vous adresser à Dieu. Ce n'est pas nous. Le monsieur dit, mais je ne suis pas mort. Il dit, monsieur, vous êtes mort. Vous voyez la liste là? La liste là, c'est la liste des gens qui sont morts. Quand vous boudez que vous n'êtes pas mort, c'est comme ça que le morgue a ouvert la chambre froide. Il a dit, vous voyez tout ce monde-là? Ils sont morts par accident comme vous. C'est des gens qui aiment boire le vin. Donc, on les a mis ici comme toi. Donc, toi, tu as encore la grâce d'être dans le cercueil. Parce qu'après, si on ouvre pas la porte là, tu veux aussi aller retrouver les autres là-bas. Tu es déjà mort. En attendant, tu attends ta sanction. Bon, toi, c'est comme ça que l'autre morgue, va me chercher le foie qui est là-bas pour lui fouetter. Après avoir lui fouetté maintenant, là maintenant, allez, on va l'envoyer soit dans l'autre chambre ou bien il va dans la chambre froide. Comme ça, le monsieur commence à demander pardon, je ne veux plus jamais boire. Le roi dit, mais c'est trop tard, tu es déjà mort. Tu demandes ça pourquoi? C'est trop tard, tu es déjà mort. On ne peut plus rien pour toi. On ne peut plus rien. Comme ils étaient trois morgués. On ne peut plus rien pour toi. On ne peut plus rien faire. Tu es déjà mort, mon frère. Oh, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je négocie avec vous et puis je vais sortir, je ne vais plus les prendre. Soit moi, tu vas négocier comment? Tu es déjà mort. Tu ne vois pas que tous ceux qui sont là, ils sont morts. Déjà, même au pied, on t'a déjà accroché l'étiquette. C'est fini. Tu es déjà mort. Regarde comment tu es en blanc, tu es dans un cercueil. Nous, on ne peut plus rien, mon frère, tu es mort. Quand on vous demande d'arrêter de boire le vin, vous ne voulez pas. Nous, on voit ça ici, nous sommes morts depuis. On voit comment tu te discutes avec ta femme. Tous les jours, tu bois le vin. Toi, tu ne veux pas arrêter de boire le vin. Tu gagnes le salaire. Tout ton salaire va que dans le vin. Comme tu ne comprends pas. Maintenant, on va voir là, tu es encore boire le vin. C'est fini pour toi. Alors, c'est comme ça, le dernier mort. Il y a un autre morgue qui est sorti maintenant, qui était caché. Il sort, il dit, c'est quoi le problème? Oh non, c'est le monsieur. Il est mort par accident. Donc, on a lui ramasser là-bas. C'est un frère. Il est déjà mort. Donc,
Nous, là, maintenant, on parle avec lui en esprit comme lui. Donc, là, il est mort. Il ne peut plus rien. C'est comme ça. L'autre moitié dit, bon, on va essayer de faire quelque chose pour lui. Puisqu'il pleure, il dit que là, la famille, la femme. Bon, mon frère, est-ce que si nous, on te fait sortir d'ici, si on te remet la vie, puis on te demande de sortir, est-ce que tu vas encore boire le vin? Est-ce que tu vas encore cabiner les habits? Parce que ce que tu fais là, nous ici, en tant que morts, nous on voit ça. Tu as vu tous ceux qui sont là, ce sont nos frères. Là, ils sont en train de dormir. Quand ils vont se réveiller là, mon frère, sans te mentir, là, nous, tu n'auras plus de chance. Tu vas jurer que tu ne vas plus jamais boire le vin de ta vie. Si tu sais que tu ne vas plus jamais boire le vin, alors tu vas toucher tous ceux qui sont là en train de dormir. Parce que ce sont tes frères qui sont là. Parce que autant que nous sommes ici, nous sommes tous des morts. Tu as vu, il y a les cercueils ici, il y a les autres qui sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir, ils sont pas. Ça, c'est entre nous dans notre monde maintenant. Donc, si tu jures que tu ne vas plus jamais boire le vin, on va faire ça entre nous-mêmes doucement et puis on te laisse sortir. Mais seulement, si nous on te laisse sortir d'ici, il fallait raconter l'histoire là à ta famille, à tes enfants. Parce que si tu caches l'histoire, si tu ne leur racontes pas ça, si tu ne racontes pas ça à ta belle famille, si tu ne racontes pas ça à tes parents, si tu ne racontes pas ça à ta femme, il faut savoir que si tu gardes ce truc-là pour toi, tu ne vas plus jamais rien comprendre. Tu vas te retrouver, ce ne serait même plus ici. Là où tu vas te retrouver, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont même plus mauvais que nous. Donc nous, on va prendre le risque de te laisser sortir et de partir chez toi. Mais tu vas sortir par l'autre porte. Parce que si tu sors par la porte là, tu ne vas plus jamais revenir. Mais tu sors par l'autre porte, tu vas arriver à la route. À la route, tu prends directement un taxi. Et ne regarde pas derrière. Tu prends un taxi jusque chez toi. Arrivé chez toi, quand tu arrives, tu te baignes avec le sel et les citrons. Dès que tu finis de te baigner, tu t'assois. Tu finis de manger, tu expliques l'histoire à ta femme et à tes enfants. Après, tu peux expliquer à ta belle-mère. Après, tu peux expliquer à tes parents qui sont au village. Parce que si tu ne leur expliques pas l'histoire, c'est que tu vas revenir ici. Quand tu vas revenir ici, tu sais qu'ils ne boivent pas le vin. Donc, par chance, à cause de lui, parce que lui, c'est quelqu'un qui est quand même gentil. On le conseille même sa gentillesse, que nous, on ne veut plus ça. À cause de toi, hein, on laisse partir ce monsieur-là. Mais monsieur, si vous n'arrêtez pas de boire le vin, il faut savoir que quand vous allez mourir, là, quand vous allez revenir ici, là, vous n'allez plus jamais repartir. On vous laisse là, c'est à cause des enfants. C'est à cause des enfants, hein. Donc c'est comme ça. Après, ils ont pris 2 000 heures et demie au monsieur en question. C'est comme ça que le monsieur est sorti. On dit, sors par l'autre porte et tu ne fais pas le bruit. En sortant, même si quelqu'un t'appelle derrière, quelqu'un te siffle, ne regarde pas. Tu prends le taxi et tu arrives chez toi et ne bois plus jamais le vin. Si nous, parce que nous ici, nous on voit, hein, on connaît ta femme, on connaît tes enfants. Ta femme s'appelle tel nom, oui, tes enfants s'appellent tel nom, tes enfants, on connaît le nom de tes enfants. Voilà la liste, on connaît, s'appelle tel nom, oui, ta mère que village s'appelle comme ça, tu es de tel village, non? Oui, on connaît tout le temps, on connaît. Donc nous ici, on connaît, on voit, ceux qui sont là sont en train de dormir. Donc quand ils vont se réveiller là, mon frère, donc va déjà. Allez, c'est comme ça, le monsieur avait la peur, il est sorti. Quand il est sorti là maintenant, allez, il a fait comme on l'a dit là pour le taxi. Il est arrivé à la maison maintenant. Il s'est lavé tout. C'est comme ça que la femme a fait semblant de dire que mais on te cherche, ça fait pratiquement une semaine. Toi, tu es où? Ça fait une semaine que nous, on te cherche ici. Tu es où? Là, on partait déjà même au commissariat, aller faire le communiqué et lancer ta photo sur les réseaux sociaux. Tu es où? Alors que la femme, ce qu'elle faisait, c'était juste semblant parce qu'elle sait ce qui s'est réellement passé avec son mari. Donc, la femme, pour fermer un peu la parenthèse, obligée de mentir que bon. Je vais appeler ta mère et tes parents, on t'a retrouvé. Mais il faut que tu nous expliques là où toi tu étais. Parce que ça là, sans te mentir, si tu ne m'expliques pas, je prends mes affaires, moi je pars. Alors c'est comme ça, le monsieur a dit, laisse-moi d'abord me laver, mais va me prendre le sel et le citron. La femme dit, oh, on te prend le sel et le citron, il y a quoi? Tu étais où? Pourquoi on te donne le sel et le citron? Fais seulement ce que je te dis. Je finis de manger, donnez-moi à manger, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais la seule chose que je vous dis seulement, c'est que je ne veux plus jamais boire le vin jusqu'à ma mort. Donc c'était ça un peu l'histoire du jour. Bon, ciao, je vous remercie. Les gens attendent des problèmes avant de se réveiller. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, vous donnez rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si on se bonne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez.